Et le roi Balak avait écouté toutes
toutes les merveilles, les exploits que le Seigneur avait fait en faveur d'Israël. Israël était très fort. Il cherchait qu'est-ce qu'il pouvait affaiblir Israël. Alors il avait fait appel à Balaam pour maudire Israël. On a remarqué que Balaam, aujourd'hui, comme on peut les appeler, les gens des sciences occultent. Lorsque nous prenons Josué chapitre 13, au verset 22, donc, Moto et Soloka, Balaam. Mais si vous verset 5, il y a Nombre 23. Mais si nous prenons le verset 5 de Nombre 23, mon Dieu, le Seigneur a besoin de ses paroles. Là-bas, on avait vu le Seigneur prendre ses paroles et les mettre dans la bouche de Balaam. Maintenant, verset 16e à 17e, il y a Nombre 23. Et même au verset 16, 17 de Nombre 23, l'Éternel a tiré ses paroles. Et lorsque Balaam prophétisait les paroles du Seigneur, l'homme qui se prosterne les yeux sur lui, l'homme qui voit les visions de l'Éternel. Il faut voir que c'est un démon. Et toutes ces choses nous aident bien. Que les âmes et la façon d'amour par l'enseignement. Et que ça va dans la boligonaïde, dans la quissant. Les camponniers peuvent utiliser n'importe qui. Dans toutes choses, ils peuvent utiliser n'importe qui. Mais la vraie parole appelle ça à mon prédestiné. Mais après ça, il y a un seul moteur à promis qu'on a le dit. Élie. Un moteur à pona. C'est à lui qui donne la vraie parole. Et c'est pourquoi tout enfant de Dieu. Il y a un bon amour à Dieu. Il faut que les gens communent et se obéir à Dieu. Il faut savoir que les gens communent les amis pour tous ensemble. Mais ça va en intimité avec le Seigneur. Et tout ça va en avoir mon cœur à croyer par ma camarade. Il y a des alliances. C'est ce qui est tout pour nous. Bon, mais ça, l'alliance aux gens va vous toucher, va vous en avoir. Parce que le Seigneur peut faire des exploits même si tu es dans le mal. Et comment bien dans Matthieu 7. Il est écrit dans Matthieu 7. À partir du verset 21. À partir du verset 21. À le dire que ce n'est pas tout ce qui lui disent Seigneur, Seigneur qui entrèrent. Les amis, maintenant, sauter au bâton de la cambaye, colon de la cocotte à la cambaye. Mais quand ça va voir ça, la volonté du Père. Mais seuls ceux-là qui font la volonté de mon Père. Vous me direz ces jours-là. Vous croyez que ça cambaye, mon colon. N'avons-nous pas prophétisé en tant que. N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades à ton nom? Mais je leur dis, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, il faut qu'en définition l'iniquité. Maintenant, tu vas chercher la définition de l'iniquité. Dans le premier commandement. Exode 20. Dans Exode 20. Au lieu verset 3 à 5. Partie du verset 3 jusqu'à 5. Le Seigneur est celui d'Israël. Le Seigneur avait dit à Israël. Il n'y aura qu'un seul Dieu devant vous. Vous en avez mon corps. Il n'y a pas un autre Dieu. Vous savez vous sous soixante. Vous avez une représentation et Bilo Bizalikolo. Vous ne ferez pas une représentation des choses qui sont dans le ciel. Même Bilo Bizalamal. Même des choses qui sont dans le ciel. Ou bien sur la terre. Pour se prosterner devant ces choses. Car je punis l'iniquité. Vous êtes la paix, ça est tout, vous n'avez pas mon nez. Par là, tout ça comprendre que. Et par là, nous comprenons. L'iniquité. Mais pas mon nez. C'est changer de Dieu. Et ça dit que bon, vous l'avez fait à seul dans le monde. En Jean chapitre 1er, le livre. En Jean chapitre 1er, verset 1er. Le verset 1er. Au commencement, il était la parole. Mais pas de les Araka, dit Loba. La parole était avec Dieu. Et nous, les Araka, dans sa mère. La parole était Dieu. Et nous, les Araka, dans sa mère. Parole de Yahweh Dieu. Et c'est la parole qui est Dieu. Faire l'iniquité. Pour ça, la paix va se changer la parole. Et ça dit qu'au bon bout, la vie ne va se rejeter ce que le Seigneur dit comme doctrine. Si tu rejettes ce qui est comme l'enseignement du Seigneur, ou changer l'enseignement. Et tu changes l'enseignement. C'est ça l'iniquité. Yahweh ne pas abonné. Un miracle est quoi ça? Mais le miracle peut s'opérer. Pour vous avoir des prophéties. Tu pourras aussi avoir des prophéties. Pour vous guérir le malade. Tu pourras aussi guérir le malade. Mais tu es sous l'iniquité. Mais tu ne seras pas sauvé. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 21.
Jésus dit dans Matthieu 7 à partir du verset 22. C'est pourquoi le Seigneur a dit, c'est pourquoi Paul a dit, Jean 14, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Le Seigneur a dit l'amour, vous gardez sa parole. Le Seigneur regarde l'amour en se gardant la parole. C'est pourquoi il faut dans ta vie pour aimer la parole. Ce que la parole les a recommandé, ce que la parole te demande de faire, prosterne-toi à lui penser. Donc, t'aimes la parole. Ne t'oppose pas à la parole de Dieu. Ce que la parole te dit, quitte. Rabaisse-toi. C'est très important. Et Dieu te bénisse. Et on peut remarquer que, et tu vas remarquer que Dieu, pour la mission qu'il avait, le Seigneur, pour la mission qu'il avait, il a mis sa parole à. Donc ce n'est pas étonnant aujourd'hui. Dans un ancien socle, on va voir un occultiste, mais un pasteur dans l'assemblée de Saint. Donc ce n'est pas étonnant. Et quand vous salutez, à vous finir, ce va se démentir dans les bandes d'assemblée. S'il ne se répand pas, il finira en dehors de l'ensemble. Parce que les méchants ne vont pas résister que dans l'ensemble des saints. Oui, il va te combattre pour vous, mais la catikata. Mais ils se réveilleront parmi vous. Ils s'introduiront aussi. Mais ils ne résisteront pas. Jean, lui. Et c'est ce que Jean dit. Ils sont sortis de nous. Ma bini. Parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'on était pas là qui m'a découvert. Dans 1 Jean 2. On va partir à verset 19. À partir du verset 19. Donc il faut que nous voulons des avantages dans la terre. C'est l'obéissance. Tu dois savoir que c'est la plus grande chose que Dieu regarde dans l'homme et sa communauté. Ce que Dieu te recommande. Ça va pour avoir le Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Alors nous avons parlé ça à mon cœur. Alors ici nous montrons. Dieu mettait ses paroles dans la Katia Bala. Ça vient ça là qui contient Malobanaï dans la Katia Bala. Mais à Wazambazo Lubana, troisième église. Maintenant ici le Seigneur s'adresse à la troisième église. Apocalypse 2, verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Et Bala, Azalaï, Koïbi, sa Bala. Que Bala disait ou enseignait au roi Bala. Donc c'est l'enseignement à Bala. Et sa vie il a qui s'y a pas là, mais quand il a qu'un péché en Israël, qui avait introduit le péché en Israël, et ça a un nombre chapitre 25, et cela se trouve en nombre chapitre 25, avec un bon affaire, il y a peur, l'icamoué, comment qui n'a pas de peur, mais il faut n'aille pas que, mais tu dois savoir ceci bien, Moïse a témoigné clairement, il avait clairement témoigné. Que Balaam n'est à côté de sa séduction en cas d'Israël. Que c'est Balaam qui avait introduit la séduction parmi le peuple. Mais Balaam a sa israélite. Mais Balaam n'était pas un enfant d'Israël. Josué 13, verset 22 ont confirmé qu'il est Amalekite. Et Josué 13, 22 nous confirme qu'il était fils de Dieu. Même si on t'a dit dans Nombre 22. Même en disant Nombre chapitre 22. Mais il faut nous que la parole à Balaam n'est contre ce qu'il faut marier. Mais tu dois savoir que c'est la parole de Balaam qui avait introduit le faux en Israël. En Katia Israël. Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand nous annonçons la parole, ton émissaire en Zambémique. Quand nous avons pour la Liloba, nous remercions beaucoup le Seigneur. C'est par sa grâce qu'il nous utilise. Donc aucun de nos côtés les nous ne sommes suffisants en rien. Mais il y a mis sur cette parole. Qui nous ouvre sa parole. À lui la gloire. N'ayez qu'un réseau. Et l'honneur. Pénoukoum. Trouvez nombre 31, verset 16. Nombre chapitre 31, verset 16. Awa Moïse. Ici Moïse. A Bundaki na Madian. Avait combattu contre Madian. Na Soukaya Vinaï. À la fin de sa vie. Là, sur le cas du verset 1er et 2e. Là, en lisant les versets 1er et 2. L'Éternel parla à Moïse. Yahweh a dit Moïse. Il y a Nombre 31. Et dit. Et entendit ça. Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Ce qui s'est tout pour la mappe, Oyo, Maï Madian, Massara qui s'est. Dans un Nombre 31. Verset 1er et 2e. Tu seras ensuite recueilli auprès de son père, de ton père. Et Yo, Papa Kundayo. Là, et c'est le combat à Moïse en
avec le Madianite. Et c'était le combat de Moïse contre le Madianite. Pourquoi le Seigneur a-t-il combattu? Pourquoi le Seigneur avait placé ce parce que Madian a séduit Israël. Mais il fallait que nous puissions répondre. Est-ce qu'Israël nous a été emporté? Est-ce que c'était tout Israël qui était emporté dans la séduction? Les textes qui vont nous faciliter la réponse sont là. Autant dans Deutéronome 4, verset 3 et 4. On va lire Deutéronome 4, le verset 3 et 4. Et toujours dans le verset d'abord 16e. Nous lisons d'abord au verset 16. Et nombre 31. Nombre 31. Voilà pour confirmer que Balaam a dit qu'à ma fille Madianite pour bien séduire. Pour montrer que c'était Balaam qui avait incité les filles de Madian pour séduire Israël. Par le roi de Moab, Balaam. C'est pourquoi j'ai lu le verset 16. Après l'armée soit revenue de l'expédition de la guerre contre Madian, à leur retour, Moïse a séduit qui n'est pas pour Mambanabas. Moïse avait demandé qu'on tue toutes les femmes qui s'étaient lancées dans l'impudicité. On ne puisse pas les laisser en vie. C'est ça le verset 16. Le verset 16. Alléluia. Il dit ceci. Voici ce sont elles qui. Là, Esaïe et Massimoyo. Sur la parole de Balaam. Dans le verset 16, il y a nombre 30. Ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la pluie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, ça se comprend maintenant. Ils ont la parole et la parole. C'était la parole de Balaam. Il y a un bon qui faux mariage. Et c'est cette parole-là qui produit de faux mariages. Mais est-ce que ma fille, ma Madianite, ma mignon, son bandit, qui parle à Balaam? Est-ce que c'était toutes les filles Madianites qui avaient cru à cette parole de Balaam? Compte à la carte via séduction. Et pour entrer dans la séduction, réponse toujours dans le verset 18. Hein? La réponse au verset 18. Amen. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Donc, ils avaient un bassin au yo-yo. Donc, il y avait des frites. Donc, des matières. Donc, vraiment, ce soit emporté par la parole de Balaam. Les autres étaient emportés par la parole de Balaam. Ils continuent en prostitution. Ils sont entrés dans la prostitution. Mais pas ce soit emporté. Mais les autres n'y étaient pas entrés. Par au hasard, et les mots. Ces femmes sont les signes. Aujourd'hui, les noms. Il y a la vraie église. Il y a l'église et la sol. Il y a peuple où ils ont dit qu'il y a la position de la parole. Du peuple qui garde la position de la parole. Quelle que soit la séduction du monde. Et ça va taper mes camarades. Et nombre de ma fille vierge. Et le nombre de ces filles qui n'avait pas accepté la parole de Balaam. Et nous le voyons verset 35. Il y a nombre 31. Nombre 31. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et 32 000 personnes ou femmes. Et 32 000 qui n'avaient point connu la couche d'un homme. Elles étaient au nombre de 32 000. Et ma fille, une vierge, Madianite. Et ces filles vierges de Madian, Bazoua, Bambou, Mena, Nanibala, par l'ordre de l'Éternel en Israël. On les avait épousées en Israël par l'ordre de l'Éternel. Bakouma qui comme don de l'Éternel. Elles étaient comme les dons du Kaboul. Et même aujourd'hui, il y a l'église, Oyo. Paul a demandé pour l'itérance. C'est qui la vierge aujourd'hui sont les signes de l'église dont nous parle Paul. Je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure. Une vierge. Vous voyez cette vierge. N'a point connu d'homme. C'est l'église où est tombée Nakatia apostasie. Ils ont dit que c'est bien. Ils ont dit que comme don de l'Éternel. Il
Ils étaient là comme des dons à l'Éternel. Donc, lorsque la séduction continue, là où la séduction est entrée, il y a toujours un reste. Et ça va partir quand on a Israël aussi. Et aussi en Israël. Dans Deutéronome 4, verset 3 et 4. Dans Deutéronome 4, le verset 3 et 4. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Nathan qui n'a pas mon Jésus-Christ. Deutéronome 4. Deutéronome 3 et 4. Moïse, dans le dernier temps, la vie n'a et Moïse, au soir de sa vie, n'a moi. À moi. N'a pas encore mon Deutéronome. Alors il écrit ce livre de Deutéronome. Il dit ceci. J'ai le nom de Jésus-Christ. Attends, à partir de ce 3e et 4e, à Deutéronome 4. Vos yeux ont vu. Ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal Péor. Oui, oui, Sala, Nanikamo et comment Baal Péor. Baal était un Seigneur. Baal signifie Seigneur. Il faut évoquer parfois Dieu, Nyon Sovazaki Baal. Tu dois savoir que tous les faux dieux des nations avaient pour préfixe Baal. Mais Aïe Bozoa, Kongo, Kolanisama, Bango, Mongo, Mamayani, qui va en Kongo, Bango, Pesa, Baal. Les Madianites avaient le nom attaché à leur Baal. Eh, bah, tu y a. Il y a Moab, bah, tu y a. Bah, Philistin. Les Moab. Et tous avaient leur Baal parce que ça signifie Seigneur. Avant de continuer les tirs, il m'a dit le juge 3 parce que tout le temps qu'il y a moi aussi. Avant de continuer cette lecture, j'ai le juge 3 pour la connaissance. Pour la connaissance. Habitons dans le verset 7e. Il y a Jésus 3, verset 7. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Et les idoles. Mais les Baals, on les a pris rien. Les Baals n'ont plus rien. Donc, donc le Dieu des nations, le Seigneur des nations. Donc mignon sur un mot quand ils avaient la balle. Et chaque pays avait son balle. Et Neti, bah, Moabite, balle n'a pas mis à la qui Congo Péor. Et comme le Moabite, leur balle s'appelait Péor. On va venir balle Péor. C'est pourquoi on dit balle Péor. Alors bien, on prend la connaissance là. Je l'ai dit pour ta propre connaissance. Donc, dans une lecture, la mission en Deutéronome 4. Nous reprenons notre lecture. Dans le verset 3 et 4. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit des milliers de toi. Tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Dans parmi les enfants d'Israël, ce n'était pas et tous qui étaient entrés dans la fosse adoration. Les autres avaient gardé la bonne position. Et tel est sacré. C'est la montre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Oui, ça va de Kokomaka. Même si pas on est dans le mariage, Nakata, Perdam. Même si on parle de faux mariage dans Perdam, il y a les restes. Et ça dit na Nambo Baba Telaniloba. Il y a des vierges. Et ça dit na Basingondo. Batouyo Babokota na Balliance Yamabete. Ceux-là qui ne vont pas entrer dans les fausses alliances. Dès Azula qui vino Apocalypse 12. Alors j'avais pris Apocalypse 12. Apocalypse 12, quand on présente les dragons, on entend pas autant de sa dragon. Azan a 7 têtes n'a 10 cornes. Le dragon a 7 têtes et 10 cornes. Mais Nazo est système, on a 7 têtes n'a 10 cornes. C'est d'abord sur les 7 têtes et je sais le pourquoi. Les apports la compréhension et à niveau n'a eu. C'est pour la compréhension à ton niveau. Parce que les 10 cornes, ils vont se manifester après notre départ. Oui, mais ma séquence est autant que ça va s'imaginer ton église. C'est dans Apocalypse 17. Et ça se trouve dans Apocalypse 17. Je vais taille Apocalypse 12. En lisant Apocalypse 12, par 7 têtes des âmes à diadème. Ce sont les 7 têtes qui ont les couronnes. Nous allons passer maintenant. 7 têtes des âmes à diadème. Mais tout ça, vous allez la mitoler. Mais 10
cornes et yadente. Mais les 10 cornes n'ont pas de couronne. Mais soko yé na Apocalypse 13. Mais si tu viens d'Apocalypse 13, Bazo présenté 10 cornes na yadente. On présente les 10 cornes avec des diadèmes dans mitolé. C'est tout un enseignement. Et ça dit qu'il a qui s'y mouvi babouné. Donc, quoi des autres, c'est qui beaucoup aussi. Donc, cela parle de la domination du pouvoir. Mais il y a 10 cornes et vous s'est présenté hier avec la bête d'Apocalypse 17. Mais les règles des 10 cornes, ce sera avec la bête d'Apocalypse 17. Là, l'église, vous arrêtez ce qui est dans l'île. Et toi, l'église, tu ne seras plus sur la terre, mais tu seras en l'église. Mais c'est toujours le travail de l'ennemi. À ses amis, quand vous salez à Mouna, ça mène à Zoro de la mine cette tête. Mais je parle plus de cette tête. Les Otaïsa, la puissante nation. Qui parle des nations puissantes. On parlait là qui est dans le psaume 2. On avait commencé à partir du psaume 2. Verset premier. Au verset premier. Parmi pourquoi c'est timide parmi les peuples. Bonanini m'a quéré la nomou nomou katikatia mabota. Psaume 2. Parce qu'il faut comprendre tout le temps. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi c'est timide parmi les nations? On a dit qu'il m'a quéré la nougou nougou katikatia bisou. Kanisi a pas ma katikatia ma bouta. Verset 2. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Bonanini m'a conduit à ma il avec eux contre l'éternel et contre son roi. Mais ma zosa la liquidana m'a coupé pour la côté de la Yahweh et puis pas pour la nous toujours remarqué que nous remarquons prophétiser ma zosa la qui ma chef, ma roi et terre. On prophétise, on dit que le roi de la terre ma zosa la liquidana. Se soulève contre loin de l'éternel. Christ. Se soulève contre le Christ. C'est la parole que ma Pierre, ma apôtre, ma Zoé qui tamba outil aux à la persécuter. C'est la parole que les apôtres avaient évoquée après la persécution. Dans acte 4. Dans acte 4. Tamba petit ma film. Lorsqu'on les a battus des verges et qu'on les a relâchés ensemble, on les a interdits d'enseigner au nom de Jésus. Lorsqu'ils sont retournés vers leurs frères, acte 4, à partir du verset 23. Acte 4, le verset 23. On est petit dans le verset 29. J'ai le nom de Jésus Christ. Amen. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'ont entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, ma belle, la main, et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, son serviteur David. Pourquoi se timide parmi les nations? Est-ce vaine pensée parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés. Et les princes se sont ligués. Contre le Seigneur et contre son moine. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oué, Hérode et Ponce Pilate, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, voilà la menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Tant que vous persécutez l'église, et lorsqu'on persécutait l'église, apôtre,
les apôtres, ils ont vu cela comme l'accomplissement du psaume 2. Ils ont vu cela s'accomplir du temps de Jésus. L'église, c'est le corps de Jésus. Donc, l'église, c'est la vie de Jésus-Christ. Ceux qui pensent Pilate, Hérode, va délémer Christ. S'ils pensent que la paix et Hérode se sont opposés à Christ, et n'a pas les principaux sacrificateurs, ensemble avec les principaux sacrificateurs, la nation, hein, ces nations-là, qui étaient comme Pilate, oui, ça a été comme Pilate, la corne et la nation, ils ont été aussi. Tout autour de Pilate. Donc, voyez, voilà, tu dois savoir que ces mouvements-là, mais le quoi? On se rend pas principaux sacrificateurs, mais dans la carte inversée, au roi de la terre et le chef de ce monde s'oppose à ton loin. Ils sont dans le verset de psaume 2 où le prince et le roi de la terre s'opposent à loin de l'éternel. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, le roi de la terre, autorité, leur autorité, les baptêtes, et télémenis, la femme, l'Apocalypse. Et puis tout ça, vous avez la bonne salle que vous n'y savez pas. Il y a un autre soir qui est 1 Corinthiens 2. C'est pourquoi on avait pris 1 Corinthiens 2. L'écriture, les hommes, oui, Paul a dit ça. Paul est en train de montrer dans l'écriture que ma chef, il y a siècle, et que les chefs de ces siècles ne connaissent pas Dieu ni sa sagesse. Au bout d'un frère, tu es mes présidents. Tu ne vas jamais trouver un frère président de la République. Il n'y aura jamais cette défi. Dans toute la vie, depuis que le Seigneur a fait la terre, parmi les nations, frère président. Un frère président de la République. Un tel frère n'existera jamais. Avant d'y arriver, il y a des accords terribles. Un Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. J'ai le nom de Jésus-Christ. Ah. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons. Donc, les animaux, nous allons côté. Parmi les parfaits. Quand il y a battu au Mancoca. Sagesse qui n'est pas de ces siècles. Moi, les alliés et quelques autres. Voilà, verset 6, 1 Corinthiens 2. Ni des chefs de ces siècles. Qui vont être anéantis. Donc, ils ont une promesse dans mon compte. Donc, le chef, tu seras anéanti dans la suite. C'est ça la promesse que tu as pour moi. Il y a un bon élan, les amis, en cours. Là, c'est la Bible. On a des Bibliens. Tous les gens nous se proposent pour les témoins qui seront sauvés. Tous les gens. Et comment anéantissement à les autres. C'est l'anéantissement qui les attend. Maintenant, pour ton frère dans le verset. Maintenant, viens faire introduire un frère dans ces versets. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Ils sont au thé à campagne en Zapé. Mystérieuse et cachée. Oui, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Il a commis dans le verset 8. Le verset 8, il y a 1 Corinthiens 2. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a commis. C'est ça, chef à cause de la frère. Un chef de ces siècles ne peut pas être frère. Appelez-moi ma sagesse et à la pété. Il est appelé pour à ne pas connaître la sagesse de Dieu. Amen. C'est les choses de Dieu. Car si l'Isconi, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils y ont montré d'abord ce qui était passé. Comment est-ce que cela s'est passé du temps de Pilate? Comment Hérode et Pilate avaient crucifié le Messie Christ? Pilate a sauvé le monde. Si on ne dit pas que Pilate s'est fait les mains pour dire qu'il était juste. Et une prophétie de lui qui est les rois de la terre, les chefs, va contre le roi. Na Pilate. La prophétie dit que les rois de la terre sont contre le roi et même Pilate. Donc, il y a autre chose dont elle s'envoyait. C'est pourquoi nous montrons comme ceci. Que la femme d'Apocalypse 12. Et la femme d'Apocalypse 12. Verset 1er. Le verset 1er. C'est l'Église. Les alliés Ecclésia. L'Église, vous en a parole. L'Église qui a la parole. Mais adversaire,
Mais l'adversaire, c'est diable et les dragons. Ils habitent dans la boue à Satan. Mais à ce moment-ci, à ce matin, les diables travaillent à 4 à 7 têtes. Satan a tout ça, la vie à 4 à 8 tout ça. Dans autant de 10 cornes. Je ne cite pas les 10 cornes. Les uns à 4. Mais c'est à l'intérieur. Et dans autant de 7 têtes. Mais je parle de 7 têtes. Quand on va nommer les 7 têtes. Lorsqu'on parle de 7 têtes, les uns d'abord Égypte. C'est d'abord l'Égypte. Première puissante nation. Où il y a les Mosso, il y a Marie. Après, c'est la Syrie. C'était la Syrie. Après, on est à Babylone. Après, cela, c'était Babylone. Après, Babylone. Après, Babylone. C'est Médopès. Zaki Médopès. Après, Médopès. Après, Empire Médopès. Grèce. L'Empire grec. Après, Empire grec. Après, l'Empire grec. Oh, sixième. L'Empire romain comme sixième. Lecture Oyoyo, Apocalypse et Bessie. La lecture d'Apocalypse a donné. Et Bessie, lecture, dit à 7. A donné la lecture des têtes jusqu'à 7. Mais Jésus est présenté 8e, et Zacharie a dit 6e, et est comme 8e. Mais cette lecture a présenté la 6e tête qui réapparaît comme la 8e. Voilà, après 17, il faut monter à la paix. Là, dans l'Apocalypse 17, il faut aussi avoir l'habitude de lire. Maintenant, Daniel, en son temps, a mon avis, 4 bêtes. Il avait vu 4 bêtes. Et annulé tel qu'il y a 7 têtes. Cela n'annule pas les 7 têtes là-bas dans la bête. Daniel, lui, n'avait vu que 4. Quatrième bête. Et la quatrième bête. Et c'est ça l'Empire romain. Maintenant, le mouvement est à Rome. Maintenant, le mouvement de Rome. Et les monarques en étaient. Parce que Rome est ça aussi Babylone. Et son site comme aussi Babylone. Spirituel. Roi de Babylone a mis Kumisa qui s'est battu. Le roi de Babylone s'était glorifié sur la terre. Voilà pour le baguette. Babylone, cette ville, n'a même attendu à mon amour, à ma yé de langage. Et pour dire que Babylone, cette ville, je l'ai bâtie par ma force et ma puissance. Le Seigneur a jugé qui? Et le Seigneur l'avait jugé. Mais songe à mon akaïsani. Mais quel est le songe qu'il avait vu? À mon akaïsani, un grand arbre. À mon akaïsani, à mon nez. Mais après, on a l'un de ce qui vient. Et à la Saint-Germain-Macolo, alors qu'il coupait ses dents. A mis pour 4 ans, c'était mais laissé des racines. Parce qu'on dit qu'il y a 600 pins, on a abattu l'arbre, on a laissé les troncs et les racines. Esaïe, quand il s'est émoué de Boukhanista, cela parlait de lui-même de Boukhanista. A Boloma, il a dit à Batou. Il va quitter parmi les hommes. A Boloma, il a dit à Batou. Pour être chassé dans la bourse et manger l'herbe comme le bœuf. Mais trône n'a été combattu là. Mais son trône sera gardé par son trône. Et c'est pourquoi on n'a pas déraciné les racines. Mais à Boson. Mais il va encore retourner au trône. C'est pourquoi la Boubalie se sont l'envoi. C'est pourquoi la Boubalie se sont l'envoi. La fesse qui était. Il y a Mayaou là. N'est plus. À ça qui se soutient. Mais il n'y a pas de cas. Parce qu'à Boubimata qui se soutient. Mouvement les salaires dans les points. Ce mouvement-là s'était passé avec les Boukhanita. Et ça a souche mon corps. Et ça a dit qu'à Mississa, mais l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, ma baisse va détailler. On a détaillé tout cela. Bataille, c'est d'abord Rome. On a d'abord parlé de Rome. Et ça qui a empéré. Qui était le Rome politique. Il y a ma César. Dans le Rome de César des empereurs. On dit l'une des têtes sera blessée à mort. Non, Apocalypse 13. Apocalypse 13. Oh, dans un moment, on va te mettre pas ça ma question. Je le dis parce que beaucoup de gens ont des questions sur mais ça. Si j'ai n'a pas en tête. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Si j'ai n'a pas les mon sujet de cœur. Cette église d'Asie. Ma soeur, l'église à Sapoyazi. Dans un été là, je passe par là pour comprendre. Pour que tu comprennes, adversaire et femme, qui est l'adversaire de la femme, c'est les diables, les amis, ça doit travailler dans la tête. Mais qui travaille dans des têtes, c'est ça, et là, mon amour, il faut saisir. Et c'est ce que tu dois saisir dans l'enseignement. Et oh, il faut combattre l'église. Donc, celui qui combat l'église, c'est les diables, les amis, ça doit travailler des têtes. Parce qu'il a dit là, mais tout n'a rien sans la tête, voilà, ce sont de roi. Et ces têtes sont des rois de la terre. Il y a autre exemple. C'est pourquoi on avait pris un sommet dans la persécuté l'empereur Dioclétien. Et l'église de Smyrne était persécutée par l'empereur Dioclétien. L'empereur Dioclétien, c'était romain. Et cet empereur était romain. Ça a dominé la terre. Il dominait toute la terre. Avant la carte, il y a sixième tête. Et il se trouve dans la sixième tête pour les accompagner. Et qui représente l'Empire romain. Mais la prophétie le dit la tête est Kozoka. Parce qu'il s'appelle le dit que mon tour est Kozoka. L'Empire romain est Panzanaka. Donc l'Empire romain était disloqué.
Lorsqu'on parle de l'empire romain, on ne parle pas seulement de Rome. On parle de comment est-ce que le royaume était blessé. Mais ils ont gâté. Donc l'empire était dissous. Il faut septième tombe. Mais après cela, la septième tête doit s'élever. Comment est-ce que nous en avons Apocalypse 13, verset 1. Lorsque nous remarquons Apocalypse 13, verset 1. Lorsque nous rendons l'Apocalypse, verset 15, on a vu la femme sur le ciel. La place où la bête était sur le ciel. C'est la femme qui l'a remplacée. Ce qui bête, tu vois, dans l'Apocalypse 13, dans la 6e. Si cette bête est 6e, cette femme est la 7e. C'est-à-dire la femme est la 7e tête. Femme est la église catholique romaine. Voici nous voyons l'église à la catholique au Rome. Et Yana Sima. Donc qui était venue après. Et ça va quitter le bossu. Elle n'était pas là. Et Yana Sima. Mais elle est venue après. Et quand on tombe en Rome, c'est en 325 avec Constantin. Et cette église est plus levée dans le concile de Nicée en 325. Et c'est ça le faux mariage. Il y a un de l'Ibale à ma paix. Nous sommes côtés à dire que nous ne prêchons pas la vraie église. Et que la vraie église était entrée dans les ténèbres. C'est pourquoi on a montré ça. Reste pas ça. Et que ça va qu'il a un homme où ils avaient un bon mari. Même parole à Balaam, si on est dans la fille Moabit, Madianite. Même lorsque la parole de Balaam, si on est dans les filles de Moab, et ça n'a pas fini où ils ont continué dans la parole. Il y avait des filles qui n'avaient pas adhéré dans cette parole. Dans la suite des temps, qui consacra l'éternel. Elles sont les signes de nous. Ceux qui t'ont persévéré jusqu'à la fin. Si nous persévérons jusqu'à la fin. Dans la foi. Avec des œuvres dignes de la repentance. Alors nous serons comptés comme des vierges. Donc, bango ba côté na fausse adoration telle na elimbo ya virginité na zone. Ils ne sont pas entrés dans la fausse adoration parce qu'il était vierge. Là, tu vois que verset 18. On avait pris le verset 18. Non, 31. Et nombre 31. Et puis, ben, en Israël. Et puis en Israël aussi. On remarque qu'il y avait dans Israël, il y avait une adoration, il n'y a pas de péril. Ce n'étaient pas tous les enfants d'Israël qui étaient entrés dans l'idolâtrie. Vous avez des Théronome 4. On a pris des Théronome 4. Verset 3 et 4. Le verset 3 et 4. Et Moïse a témoigné. Et Moïse témoigne lui-même. Dis nous à eux, mon côté qui n'a dit qu'en bois. Vous qui n'étiez pas entré dans cette occasion, vous êtes vivant jusqu'au jour. Vous êtes vivant jusqu'au jour. C'est clair. Et ça dit, et nous, le matin, Israël, nous sommes emportés dans l'affaire de Péor. Non. Cela ne veut pas dire que tout Israël était emporté dans l'affaire de Péor. Dieu a même dit ce qui est passé. Mais à ceux qui s'accapent. C'est pourquoi tant que vous êtes dans un faux mariage à Péor. C'est pourquoi nous sommes pas dans un faux mariage à Péor. Ah, oh, on a gardé la position de la parole. Ceux qui avaient gardé la position de la parole, Hazard. Ils sont là. Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour c'était la chose que vous avez. C'était la chose qu'on montrait. Et que ce qui est d'ailleurs comprend. Et tu devais aussi comprendre. C'est que nous saisissons dans nous surtout. Nous les saisissons surtout. Tant que nous avons l'écriture pour lorsque nous remarquons cette écriture. Le verset 13. Au verset 13. Je dis au nom de Jésus-Christ. Satan qui l'a commandé. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Et Dieu te voit les amis pour aider à Satan. Totalisant le trône de Satan et sa église terre. On avait montré que le trône de Satan n'est pas l'église. Et quand est sa ville, il y a Pergame. Donc c'était la ville de Pergame plutôt. Nous un exemple. Nous prenons par exemple. Nous sommes dans la ville, il y a Kisangani. Nous sommes dans la ville de Kisangani. Par le bien de ville à Kisangani, il y a un trône. Ça nous dit par exemple que cette ville est le trône de Satan. Par rapport à Misana ou Isosan. Par rapport aux œuvres qui y sont. Mais dans Kisangani. Mais dans Kisangani. Lui sont aux âmes. Les saints aussi sont là. La parole. Nous nous gardons la parole de de rejeter la parole. Nous n'avons pas rejeté la parole. C'est comme la Babylone. C'est comme à Babylone, frère. Babylone est un trône à Satan. Babylone est un qui est né à Satan. Mais dans Babylone. Mais dans Babylone. Daniel, Azaret. Daniel y était. Trois compagnons d'Daniel, Azaret. C'est trois compagnons aussi. Ézéchiel, Azaret. Ézéchiel aussi y était. Alors, on a battu la parole. Et avait gardé la parole. Donc, tu demeures là où il y a le trône de Satan. Fanoua qui est né à Satan. Mais tu n'as pas renié mon nom. Parce que Wanga dit comme on a été. C'est ce qu'on dit ici. Voici ce que, dans verset 13, je sais où tu demeures.
Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Celui qui n'a pas renié la foi, ah, la trône à Satan. Il est trône de Satan. Non, non frère. Ce qui va te pas comprendre, c'est-à-dire que les gens n'ont pas bien compris. Nous insistons au bon ami. Pourquoi nous insistons sur ça? Parce que tu vas les croiser presque partout. On va vous expliquer, ok. Nous, on va t'expliquer. Que du temps de Pergame, l'obscurité était entrée dans l'église. Avec la mot Asia, ténèbres, c'est pas historien. Et il appelle Ekeke Amilili. Bible. Ce n'est pas la Bible qui a parlé. Mais ils ont trône à Satan. Et ils ont dit que c'était le trône de Satan. Que Satan veut demeurer dans l'église. Dans la ville de Pergame. Mais toi, tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas. Les jours d'Antipas. Avant pourquoi, ma frère? Il était l'un de frères. Cela veut dire. C'est-à-dire. L'ennemi a dit qu'on persécutait. L'ennemi était venu avec des persécutions. Pour les emporter dans la fausseté. Mais maman, père Antipas, maman, il dit qu'on compte dans la fausseté. Mais Antipas avait refusé d'entrer dans la fausseté. Mais Antipas, qu'est-ce qu'il a fait sa course? N'a pas boni. Mais Antipas devait finir sa course en étant mis à mort. Maman, il a dit persécuter la femme qui est l'église. Qui vient persécuter? Les diables à travers les têtes. Les amis, Satan a Nanzela et Mitouna et Samba. Que Dieu bénisse. Amen. Nanzela est le roi de la terre et le chef de ses siècles. À travers le roi et le chef de ses siècles. Il y a un ami qui est temps, mais il est temps Constantin. Il y a un ami qui est temps, mais il est temps, mais il est Constantin. 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 Vous voulez qu'il y ait un ami Balak. De la même manière avec le roi Balak. Il était roi. Azala qui coule. Mais Azala, il a faux prophète. Mais il s'est allié un faux prophète. Pour le Kabasa, mariage, mon coin pour détruire Israël. En fait, de chercher à produire un mariage qui détruira Israël. Et le roi aussi Constantin. Et Constantin aussi la parce que c'est lui qui était dans Bérère comme roi de la terre. Et il y en a ça qui coupe à ma belle natale. Il a fait appel aux évêques. À sa rencontre. Ils ont organisé la confession, nous sommes avec notre confession religieuse. On a harmonisé. Enfin, d'harmoniser. En 325. En 325. Que royaume n'aille Constantin, il fait à l'église Moko. Que son royaume ami devrait avoir qu'une seule église. Alors, pour nous, ça veut dire à l'église Moko. Alors, pour faire qu'il n'y ait qu'une seule église. Vous devriez consentir qu'on fasse entrer. Les idoles, l'alliance nous sera fausse adoration et comment et uniformiser toutes les fausses adorations avec les choses de Dieu dans l'Église. C'est pourquoi ils avaient élevé ma doctrine même il y a Noël. À Malakisi, il y a Noël. Diable est là pour suivre avec la fête des enfants. Aujourd'hui, le diable est à trop la fête des enfants. Les arbres, c'est un mensonge. À côté de son esprit, en fait. C'est seulement pour te faire entrer dans l'esprit de fête. Ah, maman, ma papa, bouquet, ma cama, casse dans l'esprit à la fête. Les parents, il faut prendre garde avec l'esprit de fête. Déjà, manger, vivez. Pas tout à Zala qui vous lie à. C'est l'homme. Zala qui appelle le légumement qu'on attend pour avoir la moto. Il faut faire très attention. Et c'est que les coquets m'a mis. Il faut savoir faire des choses utiles. Et c'est que nous savons à quand vous avez dit. Et m'aimer en beauté au thé. Position de la parole. Mais que tu gardes la position de la parole. Donc, Bassan qui m'alliance soi. Ils avaient contre-introduit la fête de verset décembre. Quand on va dire l'adoration, on se va Dieu soleil. De toute forme, l'adoration de faux Dieu. Bah, lui même, ma culte, pour eux, ils aient ma tamouline, ma côte ici, en bon agata ma tamouline. Ils ont même introduit des cultes au culte dans l'église. Et, bah, ils donnent, bah, dit que quoi, ils ont acquis, n'abat. N'a pas temple à faux Dieu. Et toutes les idoles qui étaient dans les temples de faux Dieu. Et c'est vrai qu'il y ait compte à peine à ma temple et aux alacombes et à l'église universelle. Il fallait que cela puisse entrer dans les temples de l'église universelle. Et nous, toi, paix, ça va grand édifice. Et c'est lui qui avait fait les noms des grands édifices sur la terre. Oh, avec un édifice, un miné pour un catholique.
C'est constant. Les amis que nous constatons. Et lui-même les avait renommés Nyoka Basilique. Basilique veut dire serpent. Or le basilique veut dire serpent. Là aussi, Esaïe 14, verset 29. Esaïe 14, verset 29. Aux yeux aussi, Jérémie 8, verset 17. Et vous prenez aussi Jérémie 8, 17. C'est un serpent. Après, si Bandako, Bandoro, ça me la pomme, c'est bon. Il les a renommés comme des serpents. Matière la représentation, il y a ma faux dieu là, ma carte dans le. On a mis des représentations de tous ces faux dieux dans ces édifices là. Bah, deuxième, un dragon, il y a un dragon. Et Zali. Cela se trouve dans ces maisons. Parce que c'était l'alliance. Oui, que Zala qui voyait au Kanye Abato. Mais comme on entend Balaam, il y a du bousso. Maintenant, comme on entend des Balaam dans l'homme. Il y a une vierge dans un cadre de vierge. Et Zala qui n'a pas si ma bâtie la bourgogne. Donc, il va venir consacrer à l'éternel. Oui, ma bonza, ma qui est pas. Mariage, et qui sont en train de faire dans l'héritage d'Abraham aujourd'hui aussi. Les lopés, tant qu'on va s'emporter dans le camp, lorsque les gens sont entraînés dans ces choses, Dieu a gardé les restes. Ça vient abattre la peine d'amour et à bâton. Bah, on va garder la position de la parole. Ceux-là qui avaient gardé la position de la parole, de la même manière comme nous sommes là dans les églises, dans l'assemblée des saints, nous sommes commandés à battre. Il y a d'autres assemblées des saints qui appartiennent à nos hommes. C'est déjà une abomination. Et ça ne peut pas être mon aide. Mais ça, dans l'assemblée des saints, nous sommes tiens, assemblée comme assemblée à parole dédiée. Mais il y a d'autres assemblées des saints qui vont garder la parole. Mais nous sommes à la communauté assemblée des saints. Mais toutes ces églises auront pour nous assemblée des saints. Donc nous allons pas protéger chacun les restes. Ça ne peut pas être la candidature à battre. Vous aurez un moment, vous suivez à protéger les restes. Ça vient pas de la canne à. Il y a des gens comme eux, ils ont besoin de temps contrairement à la parole de Dieu. Ils ont besoin de temps pour la côté de la vie. Mais ils ont aussi pas tout comme serviteur. Mais il y a aussi des serviteurs. Parce que moi, si je me lève, c'est pour plus parler des églises de saints. Ils ont besoin de clic comme un serviteur. Il y a des cris de serviteurs qui se couvrent le péché entre eux. Et qui ne se répandent pas. Ils sont commis normal. Et le péché devient normal parmi eux. C'est déjà les apostats. Les animateurs à quoi qui condiment a rejeté déjà la parole. Ils ont déjà rejeté la parole de Dieu. Mais pas ça, 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 pas ça. Ils sont déjà sur la voie des malades. Parce que chemin Balaam, de Pierre, de Azon, écrit la mort très bien. Parce que de Pierre, décrit clairement ce chemin-là des malades. Alors, il y a autant de matin à Katina Baro. Mais non, ne sont pas comptés parmi ces gens-là. Et si le mal t'arrive, rabaisse-toi humilié. Lors de la miséricorde du Seigneur qui te garde à vivre la sanctification. On n'élève pas la vie du péché dans ta vie. Mais on entretient la sainteté. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que, c'est-à-dire, ma carte est un autre jour que nous avons remarqué. Dans tout cela, nous remarquons que. Dans l'église de Pergame, l'église est à Pergame, l'écriture continue aussi, l'écriture continue aussi, de même toi aussi, qu'il y a des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Verset 15. Verset 15. Tu as vu bien la doctrine de Nicolaïte. Nous savons bien que la doctrine de Nicolaïte, c'est l'homme qui a dominé Nicolas, l'homme. Mais pour son malheur. Parce qu'on a beaucoup mis ça et mon tour m'a voir. C'est sa doctrine à Nicolaïte. Il y a un peu Nicolas. La parole ne domine pas. Il a mis ça et mon tour m'a voir. Nous avons déjà l'homme en paradise. Nous l'avons déjà prêché l'homme en paradise. Mais Dieu a déproché cette nature. Ça vient à quel ennemi on est. Ah oui, mais on garde toujours nature, Yamabé. Ceux-là qui préservent, qui gardent la mauvaise nature, le légué pourquoi frappa qui bateau, Bazaki, c'est lui l'affaire des péons. De la même manière, il avait détruit ceux qui étaient séduits dans l'affaire des péons. Par l'épée de sa bouche. Ils n'avons pas même on le connaît. Ah, frappa qui bateau. Les seigneurs les avaient frappés. Et c'est ce qu'Azor va aussi avoir. Et il y a beaucoup de dans la dicotaxe. Réponds-toi donc. Beaucoup la montée, ma. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai. Alors, je les combattrai. À
Alors, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et cette parole a péché Moïse. C'est comme la parole qu'il a donnée à Moïse. Que les péchés sillonnés dans la peuple. Et que les péchés sillonnés parmi le peuple. Et donc c'est la repentance. Et c'est avant la repentance. Ce qui était sinon. Akouya. Je frapperai ceux-là qui ont péché. Mais pas au basse nous quitter. Mais non, ceux-là qui n'ont pas péché n'ont pas de problème. Rôle là au basse nous quitter. Ils n'ont pas exhorté les autres. Le rôle de ceux qui sont saints, c'est d'exhorter ceux-là. Mais pas au nous sommes comptés comme l'assemblée d'Israël. Mais non, et tous sont comptés comme l'assemblée d'Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire. La bonne école la Seigneur a caché. Quand il est au milieu la tienne. C'est bon. Montre qu'il y avait un reste qui avait gardé la position de là-bas. Le reste qui n'était pas emporté par les sottises de faux mariage. Qui n'était pas entré dans des faux mariages. Et puis il faut que Constantin Natanaé Makamwana Saraki. Et Salema qui n'a pas méthode politique et non méthode biblique. Et tu dois savoir que Constantin avait utilisé des méthodes politiques et non bibliques. C'est ça, ma récit à histoire qui est il y a un autre qui solo et à ma camouletaka. Qui sont pour banane, y a pas de qui sont contre banane, pas de alors c'est retenu que Jésus n'est pas Dieu. Ah. Donc, quand il parce que la majorité va lui Jésus n'est pas Dieu. Et de l'air à ma tomatimé, t'as un zanmété. C'était comme ça. Mais ça n'a pas bon mot. Des pratiques politiques mais dans l'église. Et ça, le nom y'a pas une politique n'a quatre églises. Les âmes allaient toujours dans une portion qu'on va voir au compte à la maturation. Si ça va battre à qui va tout va compte à tes dans le croix. Ils avaient arrêté les choses et ont dit ne faut pas en latin credo. On les appelait des credos, des dogmes. En français, était ça caché quoi? Donc Nandini. Donc il va dire si ok. Mayo yoyamo de Benisalabiso. Ce sont ces eaux. Et sa loi va arrêter. C'est la loi qu'ils ont arrêtée. Je crois. Nandini. Intégrité les amis. Même s'il n'y a pas d'écriture. Et que Koyo Neri, Saint Joseph. C'est cette situation de Saint Joseph, nous devons l'adorer. Je crois. Nandini. Donc c'était comme ça. Et ça n'a pas bon mot. Entraîner les gens d'abord. Mais il y a eu toujours les gens qui ont gardé parole. Mais ça n'a qu'il n'a pas dit, on va battre la Niloba. Tenez-le aussi ma fausse alliance, c'est ça. Jusqu'aujourd'hui, il y a des fausses alliances. Vous avez la carte d'avis dans l'Assemblée des Saints. Un serviteur parmi vous. Mais il veut être comme le prédicateur du dehors de Nitoum. Ministre, un chef d'aide. Un ministre n'est pas un chef des gens. Il est un serviteur du peuple. C'est ça qui peut y aller d'autre. Il y a un ministre qui a été mis au peuple. Il ne va pas amener ses propres choses devant le peuple. Mais dans les choses de ces gens-là, d'ailleurs, il va dire n'importe quoi. Il peut dire n'importe quoi. Devant le peuple de Dieu, Dieu sans écriture de Dieu. Attends à l'écomité pour peser. Là, non. Moi, je vois. Donc, sa vision devient enseignée. Là, non. Moi, je vois. Comme écriture. Ça devient l'écriture de Dieu. Ce sont ces églises-là. Et ça dit l'église, on est animal. Il y a quoi ça? Bah, c'était l'écriture. Des choses qui ne se reposent pas sur l'écriture. Bah, Yokani, ils se sont convenus. Comme l'émancipation, ils en montrent. Le col a passé, mais sur le mois de mars. Le mois de mars. Il faut. Tous en a modératrice. Nous devons avoir une sœur qui modère. Tous en a prédicatrice. Une sœur qui nous prêche. À tous, on va faire le service au mois de mars. Tous ceux qui vont faire le service au mois de mars. Il faut passer à la faire être des sœurs. Passons à l'église, par exemple. Il y a de telles sortes d'églises. L'église, vous savez comment on dit, des saints, mais ça, c'est qu'il y a en mars. Il y a aussi des églises des saints qui ont fait ça. Les amis. Donc, ma oyo. Bah là, c'est dit facilement. Donc ceux-là qui sont facilement emportés par le mal. Oh, ils allaient nous battre. Ce qui n'est pas le mal. Oh, dans mon amour, tu t'y attaches pas. Un jour, nous allons dans la conférence dans la zone 2000. Un jour, dans les années 2000, on avait une conférence au jardin zoologique. Alors, Monica, ma ministre, nous sommes sur le bazar de l'eau.
J'avais vu le ministre en réunion en aparté. Il parlait à mon sujet. En français. Parce qu'il y aura des ministres du gouvernement dans les jardins zoologiques. Ils m'ont appelé. On parlait ici. Le ministre, comment parlait-il avec son nom? C'est ce que je leur avais posé. Ceux qui comprennent un petit mot, si son grand-père, il vient, comment est-ce qu'il va parler avec lui? Moi, je vais prêcher en français pour le ministre du gouvernement. Vous prêchez en français parce que viendra le ministre du gouvernement. S'il ne sort pas, les messages vont atteindre d'autres personnes. Cessez de me dire des choses inutiles. Alors, ma journée, nous sommes en tant que dans eau. Lorsque nous sommes en France. Et ils ont prêché en français. Maintenant, mon tour est arrivé un jour. Je me suis levé seulement en Lingala. Dieu s'est glorifié. Et ça va être une communauté. Non, pas Zonga, la Banda, pour le coup, la communauté, pas match. Les gens sont là, pas comme s'ils provenaient de ça. Et ça a pleine ampleur, il avait une grande ampleur. Dieu s'est glorifié. Ça va être une communauté, ma casse. Mon coin va tout considérer. Un de ceux qui étaient considérés. Ou parmi votre invité qui va terminer. Parmi ceux qui avaient invité les grandes personnes. Lorsque j'ai fini de prêcher, je me suis observé. Il venait me servir. Mon conduit en a délémi poids ou à faire la maladie. Donc, c'est le français qui va te nourrir. Observe toi-même la légèreté. À loin du péché. Vous avez aussi qu'à dissoudre. Vous en avez besoin en France. Tu as besoin de français. Pour les gens considérant le monde de Bakoya. Qui va te le comprendre comme ça. Jésus, hein. Jésus. Il connaissait ce qui est dans l'homme. Il savait honorer la parole de Dieu. Quand la parole est là, quand il y a la parole, il va présenter la parole. Il va la présenter. Et dans cette conférence-là, presque l'église, il y a Rigini et Zaladiwano et Barouti. Presque toute l'église des Panamistes à Rigini et Batonda qui sérieusement ces jours. Ils étaient là nombreux. Ils avaient apporté de grandes caméras. Et quand nous menons une vraie conférence, Benassima et Louluana, j'avais envoyé un des serviteurs de Dieu qui travaille ici. Je lui ai envoyé avec une cassette VHS. Comme je les avais vus, je lui ai envoyé à Rigini jusqu'à chez Barouti. Va enregistrer la conférence en Ila. Qu'on puisse enregistrer pour moi cette conférence. Arrivé là-bas, on vendait ma prédication à 10 dollars. Ta prédication surprit la 10 dollars. Vraiment, pour noter. Et c'est moi qui avais prêché. Laissez-les manger l'argent. L'essentiel, c'est que l'évangile soit répandu. Donc tu dois réclamer les droits d'auteur. J'ai honte devant le Saint-Esprit pour demander les droits d'auteur. Laisse-les manger l'argent. Voilà, maman, pas à mon gars dans la salle. C'est les pasteurs qu'il nous faut à l'église. Il y a des moments qui sont venus pour l'église à la vie seule.
la pasteur non souvent à l'équilibre. Et toi qui puisses quitter tous ces pasteurs-là. Et ma pasteur n'a pas pu la quitter. Et leur pasteur aussi était là. Ils vont appeler à 4 ans en besoin. Viens, on a besoin de toi que tu sois notre pasteur. L'esprit ne m'avait pas convaincu. Tu vas rencontrer une chose que tu ignorais. Parce qu'il faut, il va vous garder quand même le bon sang. Je sais que vous partez dans le temps de l'Ontario. Donc, c'est que la carte est là où il vous a passé. C'est que dans tout ce que le Seigneur recommande, garde la poussée de la parole. Quel que soit le temps. Mais rejette pas la position de la parole. Garde la position de la parole. Devant qui que ce soit, garde la position de la parole. Celui qui avait gardé la parole, il n'avait pas considéré l'empereur, il n'avait pas considéré sa gloire. C'est Christ qui est tout pour nous. Il savait que Christ nous a mis en son problème. Donc, nous ne pouvons rejeter jamais la parole. Nous ne pouvons jamais rejeter la parole. Il faut donc garder position de la parole. Nous devons garder la position de la parole. Et ma garde qui? Et il savait garder. Et Antipas futuré. Puis Antipas par moi carré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que toi, nous croyons que par la grâce de Dieu. Et nous croyons que par la grâce de Dieu. À la semaine, nous allons continuer le verset 14 et le verset 17. Au cours de la semaine, on va continuer le verset 14 à 17. Mais l'homme offensive. Mais la chose que tu as saisie. Et ça que. Et que. Il y avait Barou et Bagarda qui positionnent la parole. Ils avaient qui n'a pas eu ma patte et la kinga ou à l'Ubatia. Un résultat qui parle. Il n'avait pas rejeté la parole de Dieu. C'est aussi aujourd'hui. Ils avaient payé le colané, non? Dans les assemblées, les saints. Dans quand il y a ma salle à l'assemblée, ils en avaient besoin. Ils n'ont pas eu la parole. Il y a d'autres, les saints qui gardent la parole. Ils n'ont pas eu la parole. Et les autres ne gardent pas la parole de Dieu. Ils en avaient payé. Il y a d'autres serviteurs. Oui, ils en avaient deux, trois femmes. Et ils m'ont dit. Qui sont des polygames. Et ben, donc ils se connaissent entre eux. Oui, pas à la route des trois. Et l'autre aussi à deux femmes. Ah, bon, dans l'assemblée des saints. Non, au Congo, dans l'assemblée des saints au Congo. Et comme il n'en a pas. Donc ça devient normal. Ah, il faut pas à la. Donc ces serviteurs. Oui, bah, bah, faux. Ces gens de serviteurs doivent être là pour comprendre. Mais yo garde position vérité. Mais toi garde la position de la vérité. On ne renie jamais la foi. Ne renie pas la foi. Le Seigneur a béni pour la salut. Le Seigneur t'a appelé pour le salut. Pour retenir position où ils allaient position la salut. Bâtir un camp où ils allaient au bico. On s'en emportait dans ma campagne à battre. Ceux qui m'a dit quelque chose là contraire à ma parole. Si on t'a dit une chose contraire à la parole, rejeté Yahoo. Waka Yahoo n'a pas. Où est la parole? C'est qui la parole? Simba. C'est là. Parce que dans la carte, il y a l'immortalité. Parce que dans la parole de Dieu, donc dans la parole de Dieu, ils ont la victoire sur la mort. Donc dans la parole de Dieu, il y a l'immortalité. Sauf le matin à l'heure. Si tu gardes la parole, tu vas abandonner ces corps pour porter celui de gloire. Tu verras un vol qui ne s'est jamais fait sur la tête. Lorsque le Seigneur viendra prendre ses fils, tu seras là. Si tu gardes la vérité d'amour, le monde passera avec ses convoitises. Les impudicités, pas du corps, mensonge, le coutard, la pierre non soit c'est pour l'enfer. La ville de Jérusalem, rien d'impire n'y entrera. Et nous voyons ça dans le Coran, dès le moment où tu as mis le Coran. C'est Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Dehors les chiens. Il parle d'avant moi. On a cité tous les menteurs. On a cité tous ceux qui n'entreront pas. Quand on s'attache à la sainteté. Mais lorsque tu t'attaches à la sainteté. La sanctification. N'a beaucoup dit ça. On a compté pour les royaumes. Et l'ennemi a aucun. Et l'ennemi n'est pas bien en pas. Parce que les souffrances ne te séparent pas de Dieu. Tu n'es pas venu dans ce chemin à cause de Dieu. Pour la pardon et à péché. Mais tu es venu sur ce chemin pour la molécule. Que le monde ne peut te donner. Parce que mes bonheurs. Oui, que c'est bon. Bible dit heureux. Pour la parole, l'union solaire, c'est
ils sont pardonnés. Et c'est pas tout, nous sommes même pas dans la même ligne. C'est pas même dans mon bonheur. Non, et non, c'est pas mon bonheur. Et ça bonheur. Et ça vient, c'est pas mon. Donc quand Dieu a expié votre nom, vous avez à son bonheur, ma soeur. Alors, les péchés dans ta vie. Il expie les péchés dans ta vie. C'est ça, et on va vous mener. Et c'est ça la plus grande chose. On va en communion à Dieu. En fait, que tu sois en communion avec lui. Nous sommes éthiques. Tout ce qui reste. Après, ça va nous tenir. Le Seigneur le donne à tout le monde. N'importe quel enfer. Même celui qui va en faire. Après, Seigneur, viens. Le Seigneur peut lui donner des amis. Après, si magie, pétrole. Lui donner du pétrole. Magie, de pétrole. Alors, on va entrer en bas au par mois, parfois, par millions de dollars. Les recettes d'argent en millions. Mais à Zapoa, ça l'a perdu. Mais c'est pour sa perte. Apprécier sa vie. Mais il ne lui donne pas le salut. Mais yo, ça va apprécier sa vie. Et toi, à qui le Seigneur a donné le salut? Réjouis-toi. C'est là, mon livre. Parce qu'apprécier la vérité. Oui, tu apprécies au sol. Et si tu as fourni l'intelligence, tu vas comprendre ma camion. Et surtout qu'il a ouvert ton intelligence pour comprendre. Ma camion, je dois te dire, tous. Si nous les prêchons, ça va dans une bonne position. Oui, tout ça va dans un temps où il y a malade. L'imposteur va mis tout devant les combats. L'imposteur a séduction, ma bénie. Devant la séduction de la terre. Côté candélé en zambé. N'abandonne pas la voie de Dieu. Il y a des récompenses en zambé aux les amis, ma les foutre, c'est béné. Quel que soit ma combat, les amis. Mais celui qui vaincra. Oui, à Colomba, car. A besoin de moi. Va hériter. Celui qui vaincra. Celui qui a besoin de l'arme de vie. Va hériter. Celui qui vaincra. Oui, à Colomba. A besoin de souffrir seconde mort. Celui qui vaincra. Oui, à Colomba. A besoin de mal cacher. Il y a des promesses que mon monde va vous rater à côté. Il y a des promesses que tu ne peux pas rater. Ce sont des promesses où on compare à côté la souffrance aux autres mois. Des promesses que tu ne peux pas comparer aux souffrances que nous endurons. Et puis, maman, sur les commandes. Voyez une femme, elle a son temps. Elle entre dans l'état, papa. Elle entre dans l'état de douleur. Après, elle va pas se rater, mais elle ne refuse pas ses pour être à moi. Mais pour entendre le fils, il faut les caca dans la passe. Elle ne doit passer que par ses douleurs. Mais pour les sévoyer à la poste, ça n'a pas se faire. Mais pour que la joie vienne et qu'elle oublie toutes ses souffrances. C'est extrêmement avec nous. Le légèrement qu'on peut la vie sur l'église. Pour manifester la perfection. Au total, ça va continuer. Nous sommes dans la bataille pour fatigue. Nous passons dans les souffrances. Dans la gamme libérée. Dans beaucoup de choses. Mais qu'on perd le courage. Mais ne perds pas ton courage. Et l'homme que vous fortifiez, dans la où c'est la prière. Ce qui va te fortifier, c'est le sable. Ce qu'on s'est donné, il y a en prière. Si tu te donnes plus dans les prières. La prière est pour faciliter aux alentours à santé. Et que ça a été bon pour une heure, ça n'a pas beaucoup, ça va un peu. Péché pour s'installer dans la catina. Le péché ne va pas s'installer en toi. Que Dieu te bénisse. Ça ne va pas. Et que la grâce du Seigneur que ça va nous donner. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Ça va être la salle de l'air pour l'envie. Et le Seigneur te fasse du bien. Il trouve ce chemin à qui sa vie est maudite comme pour sa gloire. Et qu'il accomplisse des signes merveilleux pour sa gloire. Parce qu'il est le Dieu vivant. En votre petit Zambé, merci du Seigneur sur la voie. C'est pourquoi nous tous nous allons rendre grâce à Dieu. Pour le bénir Zambé, que Zambé a son galop persévérer jusqu'à la fin de ta vie. Et Dieu de t'aider à persévérer jusqu'à la fin de ta vie. Vous allez toujours dans la vie à foi en Christ. Que tu aies toujours la vie de la foi en Christ Jésus. Tout ça bénit Zambé dans ma Zambé. Prions le Dieu de Dieu. Vous allez, mon long qui mon aîné Zambé, n'habille à notre roi. Et bon, béro, nous sommes en bien, dans la zambé puissant. Mon côté, à Boukani, na yo, Seigneur. Yon ici, comme on est en zambé, dans la boule. Pour la grande rédemption de Dieu Saint. Si maman a eu mon béro, nous avons. Saisis-moi, Seigneur, dans ces voyages. N'abattez la condiment. Que je garde la foi en toi. N'abattez la condiment. Que je ne puisse pas entrer dans la vie. Que ma vie s'humilie, se prosterne devant toi. Que ma vie confesse ta grandeur. Que je vive la grandeur de ta divinité. Que ta lumière se manifeste, ô Dieu. Préservez-moi de tout mal. Battez la taille dans ma bénédiction. Si moi aussi, ma soeur, mon frère, réserve aussi mes bien-aimés, et que vive et s'attache à la parole, et que leur vie s'attache à la parole, vive et s'appelle à mon nom Dieu, et que leur vie au Dieu qui exauce sa prière, à tous sa parole, qu'ils puissent obéir à ta parole, via les jeter au maracatina, il n'y a point de vie de les
jetés en eux. Distractions à la musique. Que toutes distractions soient éloignées de nous. Que ta grâce se manifeste dans la faveur. La main puissante de Jésus. Dans son nom, Jésus-Christ. Pour Jésus, mon roi. Nous avons tombé dans la son puissant avec Dieu. Le véritable refuge, oh Dieu. Et Dieu grâce. Zambé moule. Amen. Amen. Mais ton béni Jésus-Christ. Oui, nous acclamons Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur tout un chacun. Et toujours continuer à prier là-bas où on a disposé. Nous disons qu'aujourd'hui nous continuons à prier avec ceux qui seront disposés. Et bien que nous avons une marche de 40 jours. Nous savons bien que nous avons une marche de 40 jours de prière. Grâce de Dieu. En voulant en s'appeler. Après, on a ton compte à sous l'étape, monsieur. Après, là, nous entrerons.